La passion de l'architecte, c'est d'abord de se faire identifier par des maîtres d'ouvrage au grand dessin, hein, l'objectif qui galvanise tout le monde, et puis le travail de détective, d'explorateur qui vise à découvrir le génie du lieu, ce que le lieu que le grand maître de l'ouvrage a choisi peut offrir ou quelles sont ses limites. Alors ici, très curieusement, ce lieu, au bord de la rue d'Alloy, qui est, il faut bien dire, un égout à voiture. Regardez où se trouvent les bâtiments d'une telle importance dans le monde, généralement, c'est au bout d'une perspective kilométrique bordée de X rangées d'arbres, face à plein sud, de manière à être bien sûr d'en mettre plein la vue. Non, le conseil reste là, en plein milieu de ce morceau de ville, le long d'une avenue architecturalement insignifiante, hein, entourée de bâtiments fonctionnels. C'est touchant, comme modestie. Et ça m'a touché. En fait, j'ai trouvé ça tellement incroyable de mettre un bâtiment aussi important dans un endroit aussi incongru, que ça c'est vraiment, ça c'est le point de départ, quoi. Le site est occupé par un bâtiment qui est cher à la culture bruxelloise, qui est le Résidence Palace. Dès le début, je me suis attaché à essayer de sauver la plus grande partie de la partie historique de ce bâtiment. Et donc on a examiné de manière assez détaillée ce que cette vieille carcasse pouvait encore offrir. Et l'impérieuse nécessité de faire un cube est arrivée immédiatement. Et pas à moitié, pas de concession sur cette forme, pas d'effet de manche, parce que tout ça aurait abîmé le côté symbolique de ce cube. C'est une boîte, et une boîte, par définition, est quelque chose qu'on ouvre. Sinon, c'est un bloc. Il fallait matérialiser ces façades. Et là, je dis, c'est venu comme ça. On va faire une façade en vieux châssis de chêne, recyclé. Ce que l'on trouve pour le moment dans les containers, dans les rues, partout en Europe. Ça permettait d'adresser une série de messages simultanément. La diversité, le patchwork. Hein, donc les régions européennes, l'unité par le fait que c'est après tout tous des châssis qui ont tous la même fonction, tous dans le même matériau, le chêne, que l'on trouve heureusement plus ou moins partout en Europe, hein, et en plus, ce zone de recyclage. Qu'est-ce qui va souder nos enfants et petits-enfants? Ça va être ces questions-là, ces questions environnementales avant tout, et de manière bien plus généreuse, inspirante, montée de sève que nous le faisons maintenant avec une timidité incompréhensible. Quand il s'agit de se mettre en route pour le dernier round, la première chose qui m'était venue à l'idée, c'est de faire un vase évasé comme ça, comme une corolle de fleurs. Ouais. Et le premier croquis, c'est ça. Et puis après ça, on s'est mis à regarder les surfaces et puis et de fil en aiguille, c'est devenu ce qu'on a appelé d'abord une déesse calipige, jusqu'à ce que maintenant, on emploie le mot cœur.